Amen. Amen. Alors, même vous dire que dans votre cœur, vous savez, même si je n'étais pas lié par la veille, dans le monde, j'étais lié par mes sorties. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup sortir. Et comme je ne me rendais pas, mais je me disais, arrête de disparaître. Si je ferai le mal, je ne suis pas quelqu'un qui m'accorde. Ça ne peut pas être plus vite que ce que je suis. Je fais que sortir de temps en temps. Je ne pensais pas que cela aurait une conséquence sur mon foyer. Cela a une conséquence très grave sur mon foyer. Cela a brisé mon foyer. À cause que je sortais, je pensais que c'était rien, mais cela a enlevé l'amour de mes enfants. Enlevé l'amour que j'avais pour mon foyer. Et le temps a passé. Et je pensais pouvoir arranger mon foyer parce que je savais faire. Mais rien ne faisait. Mon foyer était détruit. Alors, un jour, j'en avais marre de ce foyer détruit, de me disputer tous les jours avec ma compagne. Et je me suis dit, assez, je vais me quitter. Je vais me quitter parce que je ne peux pas, j'ai tout essayé. Il n'y a rien à faire pour mon foyer détruit. J'ai essayé de le faire tout ce que je sais faire, mais rien ne s'est passé. Toujours c'était détruit. Mais en disant cela, j'ai pensé à mes enfants et j'ai eu le cœur qui existe. Quand ça m'a dit pour les aider, quand même, je les aime à mes enfants. Vous me laissez comme ça. Et une fois, elle est venue dans mon cœur. Je sais qu'il vient de Dieu. Et il m'a dit, essaie d'amener ton foyer à Dieu. Amen. Tu m'as détruit de ton foyer. Je suis venu à la réunion, je me suis assis. Et je pensais demander à Dieu quand je suis rentré. Maintenant, il va y aller dans ma chambre, il va y aller dans ma chambre. Je vais demander que Dieu m'aide mon foyer, que Dieu m'aide la paix, que Dieu m'aide. Mais quand j'ai entendu la prédication, vous en prêchez Jésus, ce qu'il a fait pour moi, j'ai compris ce que Dieu avait fait. Amen. Je suis venu pour demander, mais quand j'ai vu ce que Dieu avait fait pour moi, et bien, je lui ai donné ma foi. Je n'ai pas demandé, mais j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et je me repentais. Je me repentais de mes péchés sans m'en rendre compte. Depuis ce jour, je sais que tu es. Je suis Dieu, à la très haut, avec des bras. Ouais. Dieu a changé mon foyer. Ouais. Ouais. Dans ma maison. Ce que je ne pouvais pas faire, moi, Dieu l'a fait. Amen. Ce que je vous dis, conseil, ne vous croyez pas que parce que vous êtes bon garçon, le péché va faire pour vous toute la vie quelqu'un de gentil. Ce que ne sont pas, c'est que tu passes tout le monde à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est faux. Ouais. C'est le diable qui dit ça. Mais le petit péché amène à la mort. Moi, ça s'est passé comme ça dans ma vie. Le petit péché, eh bien, mon foyer s'est détruit. Il détruisait mon foyer. J'ai conseillé à tout dire que donne pas à Dieu. Attends pas ton foyer soit détruit. Attends pas la maladie de ton enfant. Mais donne pas à Dieu. Amen.